Ah, il s'est bien parti. Allez, la finale est lancée. La finale est lancée avec Sandra Nesloun qui est devant, ouais, et Marielle Berger sa bataille dans les skis. Nesloun, parfait. Ouais, c'est bien. Prendre l'aspiration, rester collé à la suédoise et pourquoi pas aller l'attaquer. Ouais, et bah si c'est le cas et que Nesloun n'est pas trop loin devant, et bah va falloir attendre une des deux, trois dernières courbes là, ici. Sortir très très haut pour essayer de recoller déjà dès maintenant sur cette courbe là. Prendre plus de vitesse que la suédoise. On a quasiment le classement général sous les yeux. Nesloun première, Marielle Berger sa bataille deuxième. Attention, Sixtine Cousin venu de nulle part qui vient frotter. Aïe aïe aïe, Marielle Berger sa bataille qui se fait prendre à l'intérieur. Elle a laissé la porte entrouverte et la Suissesse elle est venue et ça revient clairement s'incruster là. Et oui, elle a perdu de la vitesse et ça revient encore derrière. Attention, alors que Sandra Nesloun semble s'envoler. Sixtine Cousin, quelle journée elle nous fait. Franchement, la Suissesse de 24 ans là, elle a seulement deux top 5 à son palmarès et elle est en finale là. Et la Suissesse est sortie du parcours. Ah, donc ouais. Marielle va terminer au pire 3ème, ça c'est garanti maintenant. Elle peut revenir Marielle. Allez, Marielle Berger, sur ces trois courbes, elle peut revenir dans cette finale. Allez, faut aller chercher la Suissesse devant. Allez, là ici, deux belles courbes à l'intérieur, montée très très haut sur la dernière à gauche. Ouais, elle va le faire, elle va le faire. Regardez, elle va attaquer ici, la Suissesse pour aller prendre ici la deuxième place. Oh, à l'intérieur, voilà, superbe Marielle Berger sa bataille. Quelle attaque elle vient de produire. Hop, elle est un peu large. Allez, elle est sortie. Aïe 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 aïe, elle se fait reprendre par Sixtine Cousin, c'est terminé. Elle sera troisième, alors c'est bien deuxième, troisième. Elle sera deuxième. Nesloun, elle est sortie. Ah, Nesloun est sortie, oui. Nesloun est sortie, elle aurait pu gagner. Oh là là, on l'avait la première place et elle sort trop large aussi. J'étais concentré sur Marielle, mais quelle course, quelle finale on vient de voir. Et Sandra Nesloun qui était toute seule, qu'est-ce qu'elle nous a fait. Elle en rigole, l'ogresse qui laisse encore filer une victoire. Et Marielle qui va remarquer des points devant Sandra Nesloun au classement général, mais elle pouvait gagner, elle l'avait cette victoire, c'est incroyable. Allez, c'est parti pour Terence, c'est Chic Tavorian, le dossard jaune, le français dossard jaune, il est bien parti. Allez, fermé, se mettre aux commandes là, venir se placer devant tout le monde, c'est très bien. Pour l'instant, course intelligente pour l'instant, fermée bien à l'intérieur ici. Voilà, et ce qui est bien, c'est que derrière ça frotte un peu, donc voilà, derrière on est ici en train de se chamailler pour la deuxième place. Bien pour à l'intérieur, bien remonté, gardez la vitesse ici, attention. Attention, la porte a été ouverte pour l'Allemand là, il va passer à l'intérieur. Ouais. Allez, il va lui fermer là, ici devant. Voilà, très bien. Très très bien, ça c'est bien joué. Qui se retrouve coincé. Et il est toujours devant, Terence. Et il est toujours devant avec son dossard jaune. Terence Chic Tavorian. Oh, que ça nous ferait plaisir s'il allait chercher cette victoire. Oh, que ça nous ferait plaisir. Allez, il faut s'accrocher. Ah, c'est ici, hein, il faut être solide. Il est, c'est pas le plus gros glisseur. Il a un plus petit gabarit que les autres. Du coup, sur ces parties-là. Tim Ronek est sur ses talons. Tim Ronek est sur ses talons. Allez, bien fermé. Ouais, c'est ça. Rester très haut là avant d'engager les trois courbes de géant. Les deux Allemands tout proches de Terence Chic Tavorian qui s'accrochent pour l'instant. Il est toujours là, le Français. Restez haut ici, pas ouvrir la porte. Ouais, c'est bien, c'est solide. Oh là 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 là, attention, Ronek qui revient, c'est maintenant le moment décisif. Est-ce qu'il va aller chercher victoire pour l'équipe de France de ski cross? C'est peut-être la première victoire. Allez, Terence qui va aller chercher une nouvelle victoire. Il va le faire, la victoire pour Terence Chic Tavorian. Il est solide, patron. Il est devant du début à la fin. Il a fermé toutes les portes. C'est lui le patron. C'est lui qui gagne. Oh, que ça nous fait plaisir. Avec toutes les souffrances, toutes les douleurs, il est allé au bout, Terence, et il vient chercher encore une victoire. Quel garçon épatant. Là, quelle solidité mental, vraiment superbe. Ça va lui faire énormément de bien au niveau mental. Il a eu du mal hein, sur les deux trois premières courses. On le voyait déçu à chaque fois. Il était pas loin. Et là, là ça paye enfin. Et d'une manière très très intelligente, de A jusqu'à Z, prendre le start, prendre le départ avec, en étant devant. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.